moi, Seigneur, Seigneur Jésus a compté sur toi. Moi, le pauvre qui n'est personne, apprends-moi, Jésus, à compter sur toi. Moi, le désespéré, apprends-moi, Jésus, à compter sur toi. Moi, l'infidèle, lui apprend à compter sur Jéhovah Jireh, Jéhovah El Beraka, le Dieu de puissance et de gloire. Lui qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. C'est lui qui peut changer ta destinée prophétique. Quand on parle de l'appel de Dieu, les gens pensent que c'est un mensonge, c'est pas une réalité. Écoute-moi, l'appel de Dieu est vrai. Dieu qui appelle son enfant, qui a sa main sur quelqu'un, quel que soit vent et marée, il te tuera pas. Il fera tout pour que tu résiennes à lui. Pourquoi? Je te donne des petits exemples pour que tu saches l'appel de Dieu. Parfois, tu peux avoir des gains et puis tu n'arrives pas à réaliser avec ça. D'autres diront que c'est la sorcellerie. Lui, ça peut être la sorcellerie parfois, mais souvent aussi, là, c'est l'appel de Dieu. Dieu te révèle des choses cachées, des visions et te montre des choses de puissance. Des choses pour que tu te ramènes à lui. Mais toi, avec ton orgueil, tu refuses. Tu es toujours dans les maquis, dans les bancs, en train de boire. Et puis ta vie n'avance pas. Quand tu apprends, demain, tous tes amis ont évolué. Et puis toi, tu restes toujours la même personne. Dis-toi qu'il y a l'appel de Dieu sur ta vie. Il est mieux de fléchir en même temps et de respecter les voies de Dieu pour qu'il change cette vie-là. Pour qu'il te prenne trois choses frites pour t'envoyer à la table des rois. Tous tes camarades femmes, tes amis ont persévéré dans la vie. Quand tu arrives, on dit, celui-là est devenu tel type. Il est devenu tel. Mais toi, ta vie est toujours la même. Dis-toi qu'il y a l'appel de Dieu sur ta vie. Il a besoin de toi pour changer le cœur des gens. Il a besoin de temps pour changer la vie des personnes, pour prêcher l'évangile, pour que des vies qui soient enchaînées, pour que des vies enchaînées, des vies qui sont vraiment attachées aux œuvres des ténèbres, soient libérées, détachées par la puissance de ton esprit. Il veut faire de toi une femme ou un homme de pointe, un homme de miracle, un homme de grâce. Parce que Dieu aussi, il a besoin de ses serviteurs pour glorifier son Seigneur. Frère, il est temps que tu prennes conscience de l'appel de Dieu sur ta vie. Arrête d'être dessus ton cœur. Arrête de te dire que c'est des histoires ou c'est une utopie. Car Dieu, il est une réalité. Il existe vraiment. Il est puissant. Il est fidèle. Il a dit, je donne mon fils afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais ait la vie éternelle. Il a dit, tout langue, tout génie confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Frère, l'appel de Dieu n'est pas un jeu. C'est une réalité. Attache-toi à cet appel-là et réponds à l'appel immédiatement. Et réponds-toi sincèrement. Dieu va faire des grandes choses avec toi parce que tu es son serviteur, tu es son loin. Arrête de raisonner. Le raisonnement n'apporte rien. Arrête de raisonner avec la Bible. Non. C'est quand on t'a expliqué. Marche selon ça, selon le discernement, selon l'esprit de Dieu. Et tu vas voir, Dieu va se manifester. Mais quand tu discutes chaque fois avec Dieu et tu raisonnes, Dieu te voit en plaisantin, frère, et dit la vérité. Écoute ses voix et marche selon ses préceptes. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il peut changer ta vie. L'appel de Dieu n'est pas un jeu. C'est une réalité. Ce n'est pas un rêve. Ça existe vraiment. Il est puissant. Il est vivant. Il te connaissait depuis le sein maternel. Depuis que tu allais sortir de ta mère, il te connaissait. Donc, son appel est réel sur ta vie. L'appel de Jésus-Christ de Nazareth est puissant et réel et vivant. Crois en lui, il changera ta vie au nom de Jésus. Amen. Tous tes problèmes vont changer.